Salut les amis, bienvenue dans mon terrier ou sur frappcdjeux.fr. Nous sommes sur Deus Ex Mankind Divided pour le petit let's play en direct. Tous les lundis soirs, 21h, tous ou presque, hein, voilà, on ne le répétera jamais assez, avec des petits gens sur le chat, hein, le bon vieux chat. Et donc, précédemment, on le rappelle, pour ceux qui n'avaient pas suivi, on va passer en plein écran, voilà, c'est mieux. J'essaie de suivre vite fait, voilà, ah, ils disent coucou, voilà, parce que c'est des gens qui sont polis. Ah, parce que tu as prévenu les gens sur Discord, c'est bien Etirac, mais qu'il est bon cet homme. Etirac d'ailleurs qui nous aide à faire le site de frappcdjeux.fr. Pour ceux qui ne le savent pas, le site va bientôt réouvrir. On espère le réouvrir pour les 10 ans de FTJ. Et il nous aide actuellement à le faire. Donc c'est très 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 gentil de ta part Etirac, merci à toi. Donc précédemment, on avait fait quoi? Précédemment on avait fait quelque chose d'extraordinaire. On avait infiltré Palissade. La banque Palissade, donc c'est le gros bâtiment qu'on voit juste ici en face de moi, pour trouver des informations compromettantes à propos de Picus, hein, la chaîne de télévision, dans laquelle il y a Elisa Kasdan, notre amie de Deus Ex Human Revolution, et on avait filé cette information compromettante à un groupe d'activistes qui publie un journal, voilà, sa mise date, on le voit ici sur les trucs de la ville, un journal clandestin, hein, et on a piraté cette petite antenne qui permet de diffuser le contenu de ce journal dans toute la ville de Prague. Ce qui nous permet donc du coup de diffuser le message et de le mettre bien profond à Picus, hein, faut dire ce qui est. Coucou K2M, bienvenue. C'est ici pour le CV, oui c'est ici pour le CV, mais à la fin du live seulement, voilà. La vache, et ça discute beaucoup ce soir, c'est dingue. Je vais boire un petit coup. On va regarder ensemble nos petites quêtes. Et je crois que j'ai plus de mission secondaire, ça arrive, on peut pas le faire, donc on va pouvoir enfin faire la mission principale, hein, quand même, et on doit aller enquêter, je le rappelle, sur l'explosion de la gare dont nous avons été victimes, hein, l'attentat. On doit juste changer de quartier, visiblement. Donc c'est y part. Donc on va changer de quartier, et on va rejoindre, du coup, la gare. Et on le rappelle, les flics ne veulent pas que nous enquêtions, donc ils vont peut-être nous mettre des bâtons dans les rues. Dans les rues. Dans les roues. Dans les rues. Des bâtons dans les... Qu'est-ce qu'ils iraient mettre des bâtons dans les rues, hein? Donc hop, on prend le métro. Est-ce que ça marche sur les autres? Oui, mais pourquoi j'ai toujours au dernier, moi, comme un gros teubé, alors qu'en fait on peut prendre n'importe lequel. Donc il faut aller ici, à la gare Ruzica. C'est bon, Miller, je suis au métro. Pile à l'heure. Chang me fait dire que votre wagon privé arrivera dès que vous sélectionnerez Ruzica sur la carte. Chang? Vous lui avez fait pirater les transports publics de Prague pour que je puisse rejoindre Ruzica? Le plan A ne donnait rien. D'accord, d'accord, très bien. Donc, hop, Ruzica, merci bien, on y va. Temps de chargement dans l'infini, c'est parti! Je rêve d'un jeu sans temps de chargement. Est-ce qu'il y a vraiment un jeu qui existe dans lequel il n'y a aucun temps de... Oh, j'ai oublié de me déconnecter de Steam. On va avoir des messages, sinon ça va être chiant. Est-ce qu'il y a vraiment un jeu qui existe sans aucun temps de... Minecraft? Minecraft n'a pas de temps de chargement. Ouais, c'est vrai ça. Putain, c'est dingue. Mais bon, un jeu de la trempe de... The Witcher 3, il y a des temps de chargement dans The Witcher 3? Jensen, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a un souci? C'est Miller qui m'envoie. Il avait peur que tu t'attires des ennuis. Il a dit ça? C'est comme ça qu'il l'a formulé? Parce que c'est pas ma faute? Qu'est-ce qui s'est passé, Smiley? Tout se passait bien. J'avais pris la tête des opérations. Et d'un coup, ils se sont mis à m'accuser de falsifier des preuves. Moi, je te jure. Mais jamais je ferai ça, Adam, jamais. C'est notre scène de crime. Exactement. Mais ça n'a pas l'air de leur plaire. Quand je les ai vus dégainer, j'ai préféré me retirer. Quand je pense qu'ils m'ont accusé de falsifier des preuves, moi. Alors qu'ils sont sûrement en train de toutes les détruire. Au début, je croyais que c'était à cause de Sonia qui s'énervait. Sonia, c'est qui Sonia? Oh, c'est juste une fille à qui je donnais des cours de langue. Et puis bon, son mari était légèrement possessif, tu vois le genre. Smiley. Ouais, revenons à nos moutons. J'ai quand même eu le temps de trouver quelque chose. Et c'est du lourd. Ça pourrait bien faire la lumière sur toute cette affaire. Il faudrait juste que je jette un œil au scan du site de l'explosion. Ah, mais du coup, c'est pas mal que tu sois là, en fait. Tu crois que tu pourrais te faufiler à l'intérieur et me le choper à la Jensen, comme on dit? Alors, on va demander quelques petites informations. Qu'est-ce que je dois chercher exactement? Il doit y avoir des débris partout et toute une flopée de flics. Une fois que t'auras passé les tourniquets et les postes de contrôle, t'auras le champ libre pour accéder à l'office du tourisme où se trouve le scan.
À moins que tu te fasses repérer. Combien de flics à l'intérieur ? Je sais pas ! Plein ! Ils étaient tous armés, alors je me suis pas arrêté pour les compter. Il y avait au moins un mec en exocombi. Et vu leur niveau de nervosité, ils hésiteront pas à tirer à vue. Limpot, tu dis que t'as des lags, donc est-ce que les autres aussi en ont ou pas ? Ça peut être assez important de savoir si ça vient juste de toi ou si ça vient des autres. Parce que si ça vient de tout le monde, ça veut dire que ça vient de moi. Qu'est-ce qu'il y a à voir sur ce scan ? Une preuve, Jensen. Un scan du site de l'explosion au spectromètre de masse 3D. Et s'ils m'avaient laissé rien qu'une minute de plus à l'intérieur, je serais déjà en train de l'analyser pour en savoir plus. Mais ils ont voulu me faire filer avant que je le voie. Et du coup, ça me donne encore plus envie de le voir. Je suis sûr que c'est du lourd. Donc vous avez des lags aussi, ça c'est pas bon. Je vais essayer de voir pour baisser un petit peu la qualité au pire. Je vais finir le dialogue, on verra ça après. Il nous faut cette preuve. Oui, exactement. T'as tout compris, il nous la faut. Mais tu vas pas pouvoir te contenter de leur demander gentiment, vu que t'es d'Interpol et qu'en plus t'es augmenté. Après l'attaque d'hier, j'ai peur qu'ils soient un peu méfiants vis-à-vis de... Où est-ce que je la trouve ? La scientifique s'est installée dans l'office du tourisme. Enfin, ce qu'il en reste, je veux dire. Dans leur matériel, il faut que tu trouves le DPN qui contient le scan. Et t'as plus qu'à sortir. Les doigts dans le nez. Ça risque d'être long, Smiley. Compris. Je vais pas rester dans tes pattes. Je retourne au QG. Bonne chance, hein. Et on n'est peut-être pas obligé d'en parler à Miller, ok ? Ok. D'accord, donc on va devoir aller chercher le scan en spectromètre 3D de la zone de crime, la zone de l'attentat. Et donc apparemment, ça viendrait... Donc Etirac, t'as aussi des lags, donc ça viendrait peut-être de moi. Donc ce qu'on va faire, pour la rediff, je vais faire juste une petite coupure, vous allez rien voir du tout, vous. Et on va essayer de régler ça, et puis on se retrouve tout de suite, donc pour la rediff. Re Re la rediff, c'est bon. On va voir ce que ça donne. Au pire, je changerai des réglages entre deux vidéos. Voilà. Non, ils disent que c'est que de temps en temps sur le chat, donc on verra bien. Voilà. Autant allez, faire on y va. De toute façon, on passera pas par là. Donc là, on peut pas y aller. Hein, vous voyez, c'est rouge. L'accès à cette zone est interdit aux civils. Je suis de la Task Force 29. Je me suis dit que je pourrais peut-être jeter un coup d'œil. Eh ben, vous avez eu tort. C'est une enquête locale. Vous, les gars de la Task Force, vous pouvez aller jouer ailleurs. Je vois, tant pis. Allez, salut. On peut même pas essayer de le persuader. Donc, il va falloir s'infiltrer. L'infiltration. Allons voir s'il y a moyen de s'infiltrer par là. On va fouiller aussi, hein, y a peut-être des trucs à prendre. Bon, dans les toilettes, je suis pas certain qu'il y ait grand-chose d'utile. Mais sait-on jamais. Ok, faut pirater. Est-ce que je peux pirater ? Piratage niveau 1, oh bah c'est bon ! Là, j'ai re le truc, tu me dis. Du coup, ouais, c'est bien ce que je pensais. Est-ce que c'est vraiment dérangeant de ouf ? Et dans ce cas-là, je recoupe de nouveau pour la rediff. Sinon, et je change les réglages comme je voulais le faire. Sinon, on attend la prochaine session, donc, dans... une trentaine, quarantaine de minutes. Voilà. En attendant, je vais faire le piratage. Donc il y a deux nœuds à pirater cette fois, attention. Donc clac, clac, on va fortifier parce que voilà, on va se faire repérer, c'était sûr. Programme de suivi lancé. Hop, allez, capture-moi ça. Oui. Permis. D'accord, très bien. Bon, on attend la prochaine session. Et je changerai les réglages, je mettrai en non compressé, ça me fera des vidéos qui pèseront au moins 300 gigas. Mais moi c'est pas grave, je recompresse après. Y a un truc derrière ou pas, que savoir si je prends les bras ou... Non, c'est quoi ça? Non, y a rien de caché derrière. Là par contre y a quelque chose de caché, oui! Regardez-moi ça! J'ai pas le petit truc baroudeur 210 XP? Ou explorateur, je sais jamais. Ok, il y a des mecs juste là. On les voit là, hein. La centrale doit avoir peur que quelqu'un... Est-ce qu'ils vont partir? Ça, c'est la question. Ah bah, une vidéo non compressée, ça pèse, hein.
Là, une vidéo de 40-50 minutes avec les rivages que j'ai fait, ça me pèse 3 ou 4 gigas. Parce que je suis quand même à 9000 mégabits, parce que j'encode en fait avec l'accélération matérielle GPU, donc avec la carte graphique. Le live, lui, est encodé avec mon processeur, et la rediff est encodée avec la carte graphique. La carte graphique, c'est très rapide, mais la qualité est moindre, c'est pour ça que je mets un plus haut débit. Mais par contre, du coup, ça fait des vidéos de plus grosses, enfin, qui sont plus lourdes, quoi. Pour compenser le fait que la carte graphique encode un petit peu moins bien. Et si je mets en non compressé, la qualité est extraordinaire, mais du coup, voilà, ça me pèse 300 gigas, quoi. Ok, donc c'est bien, le mec, il est parti. Toi, tu vas te prendre un high kick. Merde, je crois qu'il m'a repéré, l'autre. Je vais déclencher l'alarme. Voilà, bon, c'est le gros fail. Moi, je pensais qu'il... Le mec, je le vois partir, bah, je me dis, il va pas se retourner. Normal, quoi. Eh ben non, même pas, c'est pas grave. Ah, va falloir attendre qu'il parte. Ah là là, le con. Le con. C'est pour grave. Par contre, j'ai pas des masses de balles, hein. Va falloir que je me démerde bien dans cette mission. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Et c'est là que vous voyez que pour faire une frappe solus qui est vraiment bien faite, faut s'entraîner, hein. Parce qu'on réussit pas du premier coup, c'est impossible, hein. Bon, parfois il y a des petites astuces de montage qui font que, voilà, je vous cacherai pas que dans Dishonored, le pouvoir de téléportation, il aide à faire du montage et à cacher une mort ou un fail. Voilà. Mais ça ne se voit pas, c'est la magie du montage, mais en direct par contre ça se voit, donc voilà. Allez, retourne patrouiller, c'est bien, tatati. Ah ah, la vie est superbe. Donc toi, tu te retournes, comment t'as fait pour me voir? Ah oui, d'accord. Donc on va d'abord s'occuper de celui-là, c'est tout simple. Ou alors on va passer sans... Ouf, ouais, sans les assommer. C'est une bonne idée. C'est un vrai cimetière. C'est un acte désespéré. J'aurais dû faire une petite regarde rapide avant d'y aller, là. Allez, toi. Tu viens ici et tu te planques. Et elle, faut que je recharge mes batteries. Est-ce que j'ai une petite biopuce? Ou est-ce que je peux m'en... Non, je peux pas en construire une, mais est-ce que j'en ai une? Biopuce. Ah, je crois pas que j'en ai. C'est pas bon, ça. Parce qu'elle a un casque, donc je peux pas lui tirer dans la tête. Faut que j'attende qu'elle se retourne. Tu peux jouer au jeu avec des bananes, Cal. Comment ça, avec des bananes? Y'a des bananes dans le jeu? Ah, c'est bon, elle se casse. Donc toi, mon coco, je vais te fouiller. T'as quoi? Fusil de combat, on s'en fout. Par contre, je vais cacher. Je vais te cacher, tu vas faire un bon gros dodo. Juste là. Voilà. Ni vu ni connu. Non. Mauvaise idée. Elle est très réactive, hein. Comment on a pu... Et toi aussi. Voilà. Un petit coup de boule, un petit front. Hein, un bon petit front, une petite frontale. Et on n'en parle plus. Tu vas faire dodo avec ton pote, hein. Vous allez être bien tous les deux ici. T'as quoi, toi? Carnet électronique, je prends. On va lire ça. Un mec a transformé des bananes en manettes. Non. Oui, si, c'est vrai. Bah, techniquement, en fait, dès qu'il y a du... Comme les fruits peuvent faire du courant électrique, tu peux faire des manettes avec n'importe quoi. Donc, pourquoi pas, après tout. Comme demandé, nous avons neutralisé tous les codes pour faciliter votre enquête. Le mot de passe du terminal du guichet de la gare Ruzica a été modifié, le nouveau Antares. D'accord, très bien, j'ai le mot de passe. C'est cool. Petite sauvegarde rapide. Et on va monter. C'est dommage que je ne puisse pas me faire de biocellules, ça me serait très utile. Tiens, c'est quoi ce tag? Hog Rights. Ah, le droit des augmentés, c'est ça? Je pense. Personne ici? Très bien, on va refermer ça. Je ne veux pas de... Hein? Non, voilà. Ils ont déjà fait une analyse. Oh, fuck it! C'est qui ce mec? Il y a un gros truc là. Je sais pas si vous le voyez. Ah, ils ont parlé d'un exosquelette. Un garde en exosquelette, ça je m'en rappelle. Okay, oh la vache, ça pue. Oh, mais il y a une porte là. Amène-nous cette porte. Ah ah! Toujours regarder aux alentours. Allez, grimpe. Grimpe, Adam. On pète ça. Y'a rien ici, si c'est quoi ici? Ah ah! 40 morts, il a fini le jeu. Dark Souls 3, sérieusement? Oh, la vache, et le mec il est fort. Hein. Parce que, en plus, avec des bananes.
faut le faire. Alors. Ok. Je suis venu ici pour rien. Ah, c'est génial. Il y a que dalle. Ah, il y a peut-être un mur à fragiliser. C'est pas ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ouais, je pense que si j'ai l'augmentation du bras, je pourrais péter ce machin-là et assommer le mec qui est derrière, mais bon, je me ferai repérer. C'est pas très utile. Très bien, donc on va remonter. On dirait que j'ai un copain. Merci, Linkpot, ou Kiyomaru, du coup, pour ton abonnement. Ça fait plaisir. Oh, oh. Non, toi, tu ne me repères pas. Il n'y a personne dans ce conduit. Est-ce qu'il y a d'autres gens ? Je peux l'endormir ou pas ? Ça, c'est la question, en fait. Ah, il a un casque, je peux pas l'endormir. Faut que je l'assomme. Et j'ai l'impression qu'il y a une caméra aussi. Ah, ça va être difficile, cette infiltration. La vache ! Retourne-toi ! Voilà. Petite sauvegarde. Elle est là, la caméra ? Non, elle est à l'étage du dessous. Ok, nickel. Bon bah, lui, on va l'assommer. On finira par trouver des moines. Salut ! C'est quoi ça? C'est des munitions de quoi ça? Fusil à pompe. Oui, j'en ai un, donc pourquoi pas. Après, j'utilise pas vraiment, vraiment. Cachons le corps, cachons le corps. On va le laisser là. Espérons que le mec qui est là-bas ne le verra pas, quoi, c'est tout. Au pire, je vais le cacher là-bas. Ouais, mais je vais passer devant la porte, il va me voir, ça va être chiant. Ok, ok, ok. Faut que j'aille où en fait? Là-bas. Donc je suis carrément du mauvais côté en fait. Un truc pour améliorer le fusil dermique. Peut-être, mais je suis encore qu'au début du jeu, tu sais, techniquement. Donc Ah oui, c'est vrai qu'ici on peut. J'avais oublié qu'on peut aussi utiliser. Au lieu de fabriquer. Voilà, c'est ça. Au lieu de fabriquer ici des petites babioles, on peut améliorer nos armes en faisant personnaliser. Donc là, pour 100 pièces détachées, je peux augmenter ma capacité de chargeur. Par contre, la cadence de tir et dégâts infligés, je suis déjà au max. Et je peux pas augmenter ça. Il faut que je prenne l'augmentation. Stabilisateur de visée, compensateur de recul, vitesse de rechargement, d'accord. Est-ce que je... On va regarder les autres armes, ce que je peux améliorer, genre mon petit flingue, là. Même si c'est pas très utile, parce que je ne tue personne, pour l'instant. Lui, je peux augmenter sa capacité de chargeur, sa cadence de tir, encore une fois, voilà. Mais bon... pas très très utile pour l'instant, mais c'est pas mal le fait qu'ils aient un petit peu mis un système de d'amélioration des armes. Il n'y avait pas ça, il me semble, dans Human Revolution. En tout cas, ça me dit rien. Je me demande si un de ces câblés va revenir. Faut que j'aille tout là-bas du coup, sans me faire repérer. Ça semble difficile. Hey, je peux grimper. Oui, je peux grimper. Merde, je vais faire repérer. je vais y aller en étant invisible du coup. Tout simplement. Ou alors, mieux. J'ai oublié que j'ai ça moi. J'oublie toujours mes pouvoirs. J'ai des pouvoirs de ouf et je les utilise pas. Je suis débile. On va essayer d'aller là-bas du coup. Hop là! Faut que j'aille là-dedans donc. Putain, ça nous rend épileptique cette lampe! C'est un truc de fou! Donc lui, il faut l'éviter. Hein. Lui, on n'est pas de taille à le dégommer. Fail! Je pensais que. C'est pas très bien indiqué. Dans Dishonored, on voit un petit peu mieux jusqu'où on peut aller avec le dash. Là, c'est pas terrible, hein, je trouve. Donc. Je peux couper le disjoncteur. Non, l'activer. Non, le couper. J'ai pas électrocuté des gens. Rassurez-moi. Ah, si. Je viens de péter le gros garde, je crois. Oh la vache. Bon bah pas grave, hein, j'aurais tué quelqu'un dans cette soluce. Enfin dans ce let's play. C'est tentant de mettre des têtes à tout le monde pour être tranquille, hein, mais... Oh non, j'ai tué le mec. Parce que regarde, il est dans l'eau, et du coup en activant le disjoncteur... Mais il s'est électrocuté. Bon bah tant pis, hein, j'aurais tué quelqu'un, que je te dise.
Je suis Adam Jensen, de toute façon je suis badass. Alors, passons par là. Donc c'est là que je dois aller, hein. On est d'accord? Ok, moi je saute, je regarde même pas s'il y a des gens. Bah les couilles, frère. Alors, le spectrographe 3D, machin, bidou chouette. Smiley, ça doit être ça. Le scan. Oui. Oh, génial! Apporte-le à mon bureau. On va voir si j'ai vu juste. Merci. Ce qui est bien, c'est que j'ai électrocuté le gros garde et que personne n'a remarqué. Hein, le gars, il y a un gros mec en exosquelette qui est par terre et personne n'a remarqué qu'il est mort. C'est magnifique. J'ai 2 points praxis, c'est vrai. J'avais pris quoi déjà? J'avais augmenté, mais voilà, ça, hein, on est d'accord. Est-ce que je continuerai pas d'améliorer? En fait, c'est dommage, il n'y a rien pour améliorer juste la petite barre bleue qu'on voit ici, donc la barre minimale d'énergie qu'on a. Il faudrait qu'on puisse augmenter ça pour pouvoir utiliser 2 pouvoirs, en fait, on va dire. On dirait qu'il a glissé. On va dire ça, oui. Oui, bah, c'est une exosquelette, c'est pas simple à prendre en main. Hein. Donc c'est dommage, ouais, il n'y a pas juste cette... En fait, c'est l'énergie minimale qu'on peut avoir, cette petite barre bleue-là. Il faudrait qu'on puisse l'augmenter, ça serait plus intéressant, parce que des biocellules, c'est super rare dans ce jeu, j'ai l'impression. Mais je peux pas influencer ça. Par contre, je peux influencer, du coup, la capacité de rechargement. Donc, on va encore continuer d'améliorer ça, parce que c'est quand même vachement pratique. Donc, la latence avant que ça commence, avant que ça se recharge, et le fait que ça se recharge plus vite. Là, normalement, c'est dire que dès que j'utilise un pouvoir, ça se recharge très très rapidement. Ou tout le monde le TTS, ouais, c'était peut-être un connard, hein, peut-être que j'ai rendu service. C'était peut-être Michel de la compta qui a eu une promotion et tous les autres ils sont dégoûtés, tu vois. Hop. Vachement pratique ce petit pouvoir. Oh bah si, bah là j'ai mon énergie qui remonte. Je comprends pas pourquoi l'énergie remonte sans biocellule. Apparemment t'as fait aussi un massacre salt du coup, c'est ça? Pas mal. Donc du coup j'aurais pu passer par là directement visiblement, mais je ne savais pas où était ce conduit, donc on va partir par là, on va voir où ça va nous mener. Y'a quoi là-bas? Ok, donc j'aurais pu arriver directement dans la bonne salle. Ah non, dans la salle juste à côté, mais y'a un garde, donc on va se casser. Pourquoi dès que je suis en live, mon nez me gratte alors que dans la vie de tous les jours, non? Ah merde, faut pouvoir déplacer ça. Et c'est là que l'augmentation des bras aurait servi. Mais bien sûr, je viens de claquer mes 2 points comme un gros connard. C'est pas grave. Allez, monte. Hein. On va passer... Bah, on va repasser par là où je suis passé à la base. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, en fait, l'énergie, ça va être comme dans Dishonored. Si je réutilise pas de pouvoir entre deux, c'est bon, ça se recharge comme c'était précédemment. Mais si j'utilise 2 pouvoirs d'affilée, là, ça va continuer à bouffer de l'énergie. Et à la fin, j'aurai plus que mon énergie minimale. Voilà. Ah oui, les gardes, les civils... Moi, au moins, j'ai juste tué un gars en exosquelette, ça va. Je suis pas la pire des crevures non plus. Ah, alors par contre, faire tomber un objet, c'était peut-être pas le meilleur truc du monde. On peut passer par là, cela dit. Voilà. Et le beau fail! On m'applaudit! On est d'accord que normalement, quand il y a un rebord, il s'agrippe, Adam Jensen. Il passe par au-dessus. C'est qu'il y a deux doigts de me voir à chaque fois là, ils sont chiants ces mecs. Donc du coup on va pas refaire ce fail là, hein, on va juste se téléporter. À l'ancienne. Donc comme quoi il y avait plusieurs approches possibles. Hein. Il y a une meuf là... Non c'est un mec. J'ai cru que c'était une meuf, mais non c'est un mec. Mais lui c'est un scientifique je pense, il a des gants bleus, c'est un scientifique. Il n'y a que les scientifiques qui portent des gants bleus, c'est tellement pas fashion. On va redescendre. Ici? Non, pas la frappe qui a... T'as entendu toi aussi? Pas pour cette hauteur, mec, t'es sérieux? Hein? Qu'est-ce que... Oh oh. Pourquoi il a fait la frappe Icarus pour cette hauteur? Salut Zarlok! Bienvenue! Bon, on va attendre que ça se calme. Merde, il arrive dans mon dos. On a des activités hostiles. Ouvre bien. Ah, il a vu le cadavre. Par contre,
contre, du coup, je peux passer là. Ne fais pas peur comme ça. Hop, hop, hop. Clac, clac. Je ne suis pas repéré, je ne suis pas repéré. C'est bon, c'est bon. Mais non, mais putain, pourquoi il monte pas? Ça m'énerve. Infiltration de merde. Non, en fait, j'ai pas le temps de passer, d'accord. Tu m'énerves, toi. Mange tes morts. Allez, on se téléporte là-dedans. Et voilà. C'est plus rapide. C'est plus efficace. On se casse. C'est là qu'on est content d'avoir éliminé les deux gardes qui étaient dans cette salle. Il est pas mort, voilà, il s'est fait électrocuter. C'est bon, quoi. On va repasser aussi par le conduit. Parce que je crois qu'il y a des gardes à l'entrée. On range notre arme. Et on va ressortir comme si de rien n'était. Tranquille. J'ai bien fini ma quête au moins. J'ai même pas regardé, moi. Ouais, si, c'est bon. Non, récupérer la crème. Mais non, mais j'ai pas du tout fini la quête. Merde, je pensais que j'avais fini la quête. Et vous me laissez sortir. Putain, j'ai fait tout ça pour rien. Bah si. Bah alors. Mais je ne comprends plus rien. J'ai bien trouvé la preuve pourtant. Non? C'était pas la preuve que j'avais. C'est ça l'histoire. J'aime pas ça. Est-ce qu'il y a une sauvegarde? Ça me fait chier de re... Oui, voilà, ici. Clac, nickel. Il ne s'est rien passé, on n'a rien vu. Je vais retirer mon sweat parce que je commence vraiment à avoir trop chaud avec ces lampes. Parce que oui, j'ai de l'éclairage autour de moi. Allez, toi, tu jettes là. On va voir un petit coup. Une bonne vidéo de loose, hein, là. Je fais de la merde. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais du tout. Bon. J'ai le scan. Non! Génial! Apporte-le à mon bureau. On va voir si j'ai vu juste. Merci. Bah oui, du coup, c'est bon. Pourquoi la quête m'indique? On dirait que j'ai un copain. Salut Zarlock, merci pour l'abonnement. Zarlock, parce qu'il y a deux AR, merci à toi. Ouais, mais c'était quoi ce bug? On a bien vu que là, quand j'ai chargé, il me disait pas de rapporter le DPN, hein. Il me disait que j'avais pas pris la preuve. Donc je vais pouvoir recharger encore la partie parce que j'avais juste. Bordel! Autant de chargements pour rien. Ah, le jeu qui bug, j'aime pas ça. Quête? Bah, récupérer la preuve. Il y a un bug. Je l'ai récupéré, la preuve. C'est dingue, cette histoire, quand même. C'est quand même fou, cette histoire. Bon, je vais quand même essayer de ressortir, mais j'ai l'impression qu'il y a un bug, hein. Live de la loose, ouais, ouais, fallait bien qu'il y ait un live de la loose. Le blanc, non, c'est pas par là. C'est par là-bas. Allez, on va quand même essayer de ressortir, du coup. Mais, ouais, non. J'espère que, du coup, la quête va quand même s'accomplir et que je vais pas devoir recharger encore la partie et refaire le chemin, quoi. Parce que je l'ai bien récupéré, la preuve. Voilà. Oui, mais non, mais du coup, je dois la rapporter à qui? Comment je fais, moi? Non, non, je suis obligé de recharger la partie, du coup. C'est bien, si on tend... Bordel. Ah non, mais la poisse, quoi. Je vais devoir me retaper la route. Oh là là. Bon, bah, désolé. Là, c'est pas de ma faute, non, hein. Génial! Apporte-le à mon bureau. On va voir si j'ai vu juste. Merci. Voilà, rapporter le DPN, on est d'accord. Ok. Donc sur la carte, il faut bien que je me barre. Il me dit va par là-bas, ok, c'est très bien. Donc, refaisons la route à l'envers. Je vais reprendre mes augmentations. Acheter, oui. Acheter, oui.
La vidéo de la loose, quoi. Je me fais repérer tout le temps. Il y a des bugs. C'est génial. Qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est trop cool. Alors, on va passer là-bas. Voilà, ni vu ni connu. Reste sur tes gardes. Enfoiré de câble. C'est rechargé, c'est bon. Et on passe. Non, c'est pas par là. Faut que je trace par là-bas, voilà. Là, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Un dash. Arrête, camarade. Camarade. T'as même avec un dash, il se doute d'un truc. Bordel. Centrale, on a un corps par ici. Besoin d'aide. Oh. Il a repéré le corps. C'est pas grave. On reste là. Et c'est bon, on se casse. Ouh, ça lag. J'ai eu une chute de FPS. Ah, j'ai mon... mon logiciel pour la fatigue des yeux qui s'est réactivé, c'est vrai. Je sais plus comment il s'appelle. Flux. Voilà. Ça permet de... retirer les rayons bleus de... qui sont envoyés par l'écran pour fatiguer un peu moins les yeux le soir. Donc ça... ça... orangie, on va dire, l'image. Et ça marche pas trop mal. Je vous le conseille. Flux, c'est gratuit sur PC. Bon. Ça a l'air good. Le bug n'est plus là. C'est bien, si on s'ennuie. Et on va se casser, du coup, à Sistar Svirgelicht. Ce bon vieux quartier de Sistar Svirgelicht. Ah, il est classe quand même, ce Jensen. Hé, hey, le câblé, vous vous croyez où, là? C'est un train uniquement pour les organiques. Allez, montrez-moi vos papiers. Tenez, tout est en règle. Pas mal, mais ça vous dispense pas de respecter les règles, c'est compris? Restez dans la section des augmentés. Je vous le répéterai pas. Allez. Jensen, pas très cool, nous hein. Avons une nouvelle piste pour notre enquête. Ça devrait nous mener à Golem. Le ghetto? Encore. Qu'est-ce qu'on a? Des séquences vidéo de l'attaque. Chang a pu en tirer quelques images. Le problème, c'est que notre nouvelle psychologue doit d'abord vous autoriser à retourner sur le terrain. Donc je dois rien lui dire au sujet de la preuve que j'ai trouvée pour Smiley. Faites plaisir au bureaucrate, d'accord? Donnez sa preuve à Smiley et 5 minutes de votre temps au docteur Rosen. Appelez-moi quand ce sera fait. Ok, allez, on va passer un petit test de personnalité. Un petit entretien avec une psychologue. Voilà. Enfin, les petits tests qu'on trouve sur Facebook. Les mecs, ils jouent aux échecs dans la rue, tranquille. Alors. Ah. Ah, y'a de l'ambiance, hein. Non, je vais pas du tout par là où il faut. Je t'en mire, mais non. C'est ici, c'est vrai. Je ne veux pas de problème. Adam, j'ai enfin décrypté le son de la puce espionne. C'est de l'or en barre. Faut que t'entendes ça. Je suis pas mal occupé, là. Dis-moi où t'es, je te rejoins dès que je peux. Il y a une ancienne clinique en Plib dans le quartier de Davni. Elle est fermée. Plus personne n'y va. Je serai dedans. Ah, donc voilà, notre cher ami du... Comment ça s'appelle les activistes? C'est quoi déjà leur nom aux activistes? Ah, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. On travaille pour elle en plus. Enfin, on a mis une puce pour eux quoi, mais je ne me rappelle plus du tout c'est quoi. Vega, elle bosse pour qui Vega déjà? Ah, je sais plus c'est quoi le nom. Je sais plus. Commence tôt la teuf. Ouais, c'est vrai qu'il fait un petit peu jour quand même là. Bon bah, on va d'abord finir cette quête, puis après on ira voir notre ami Vega, du groupuscule d'activistes dont je ne me rappelle plus le nom. Mais bon, c'est pas grave. Flux marche nickel, oui mais Flux c'est vachement bien.
Mastodonte, c'est ça. Non, je sais plus. C'est peut-être ça, oui. Avec Janus à sa tête, c'est ça. Ça doit être Mastodonte, c'est ça. Merci, Celt. C'est ici ou c'est pas ici? Plus de crédit, merci. C'est toi, là, hein? Oui, c'est toi. Adam, je suis Delara Ozen. Je vous remercie d'être passé me voir. Et bon, j'imagine que tout le monde doit vous demander ça aujourd'hui, mais... Est-ce que ça va? J'ai vu les images de l'attentat. Sur place, ça devait être... C'est de ça que vous voulez me parler? Non, je compatissais. C'est un entretien psychologique standard pour déterminer votre aptitude au terrain. Tenez, j'ai pris ça pour vous au dispensaire. Vous m'avez pris de la neuro? Écoutez, docteur, j'ai été surpris par une attaque terroriste. Je suis peut-être un peu déréglé, mais ça veut pas dire que mon corps va se mettre à rejeter mes augmentations. Très juste, mais les traumatismes peuvent engendrer un net accroissement de nos défenses immunitaires. Avec des neuroprothèses comme vous... Vous me croiriez si je vous disais que mon corps rejette pas les implants mécaniques? Non. Mais je milite pour une transparence totale dans cette pièce, alors si vous voulez me faire croire que vous êtes une sorte de miracle de la médecine, je n'ai pas d'autre choix que de vous croire. Asseyez-vous. Elle ne croit pas, alors que je si, c'est vrai. J'ai examiné votre dossier. Votre histoire est vraiment fascinante. Ça vous ennuie si je reviens un peu sur votre passé? Est-ce que ça va être long? Je vois que vous étiez au SWAT de Détroit jusqu'en 26, après quoi vous êtes devenu chef de la sécurité chez Sarif Industries. David Sarif était un acteur clé du débat sur les augmentations. Alors... On va retourner la situation. Je pense que Jensen, il est un peu comme ça, il s'en bat les couilles, en fait, de ce test. Je pense. Vous me demandez où vous l'affirmez? Qu'est-ce que vous préférez? Tout le monde ne connaît pas l'histoire de l'Amérique sur le bout des doigts comme vous avez l'air de le croire, vous savez. Vous venez d'où, docteur? On parle de votre dossier, n'oubliez pas. Bien. C'est donc David Sarif qui vous a fait augmenter suite à une attaque terroriste contre sa société. Oui, c'est ça, hein, Limpot. C'est le précurseur de Deus Ex. Donc, les gens ont encore besoin de la neuroposine, normalement, pour ne pas rejeter les implantations. Mais pas Jensen, justement. C'est grâce à l'ADN de Jensen que Megan Reed a développé d'ailleurs un truc qui permet de ne pas avoir de neuroposine. Et c'est ce qui sera utilisé dans Deus Ex 1 et Deus Ex 2, du coup. C'est pour ça que les gens n'auront plus besoin de prendre de neuroposine. Voilà. Alors, on va dire quoi? Les extrémistes anti-augmentation, c'est ce que ça dit. Et ce n'est pas le cas? L'affaire n'a jamais été résolue, et ils n'ont pas fait qu'attaquer la société. Ils ont aussi tué de nombreux innocents. Y compris votre ex-petite amie, je sais. Megan n'est pas morte. C'est pour ça que vous avez rejoint la Task Force, Adam, pour résoudre une vieille affaire grâce aux ressources d'Interpol qui... Ce qui s'est passé à Détroit, c'est de l'histoire ancienne, docteur. Megan, mes augmentations, tout. Ce qui n'est pas le cas de l'attentat de la gare. Et c'est pas en restant assis dans votre bureau à ressasser le passé que je vais retrouver ceux qui en sont responsables. Ce qui m'amène justement à ma prochaine question. Personne n'a encore revendiqué l'attentat de Ruzicka, mais avec l'imminence du vote de la loi pour le retour à l'humain, tout le monde sait que Prague est devenu le berceau de l'oppression légalisée des augmentés. Et la coalition pour les droits des augmentés surveille la porte, prête à tout pour résister. La plupart des gens les considèrent comme des terroristes augmentés. S'il s'avère qu'ils sont coupables, êtes-vous aussi augmenté? Comment je vais me sentir? J'essaie de suivre le chat là, mais je comprends pas trop ce que vous dites. Ah, t'avais proposé un choix de réponse, ouais, désolé. C'est vrai que je suis tellement dans le jeu en fait que je regarde pas ce que vous voulez que je réponde. Parce qu'il y a facile 30 ou 40 secondes de lag, donc je n'y pense pas, désolé. Du coup, si vous voulez, là, je vous laisse choisir. Inexcusable, c'est compliqué, c'est mon boulot. Donc inexcusable, ce n'est pas une question d'augmenter contre naturel, mais de terrorisme. Et pour moi, tuer des innocents, c'est inexcusable, quelle que soit la raison. Je viens de tuer un mec, c'est peut-être un petit peu faux cul de dire ça. Ce que j'en pense importe peu, docteur, j'ai une mission à accomplir, j'ai été embauché pour arrêter ce massacre, et c'est exactement ce que je compte faire. Ça va. Il n'y a pas de réponse facile, docteur. Si les augmentés sont coupables, c'est peut-être qu'ils se sentaient dos au mur, ou peut-être que le terrorisme disparaîtrait si la classe dirigeante se rendait compte qu'elle en est souvent la source. Ah, j'aime bien celui-là. C'est mi-figue, mi-raisin, mais j'aime bien. C'est compliqué, je sais pas ce que vous préférez.
Inexcusable ? Vous préférez inexcusable ? Moi, je trouve que c'est faux qu'on vient de tuer quelqu'un. Oui, pour Persona 5, c'est vrai qu'elle nous propose de choisir, c'est vrai. Bah, allez-y. Je vous laisse choisir, là. Pour l'instant, on a un vote pour inexcusable. Deux, c'est compliqué, et trois, c'est mon boulot. Moi, je vois ça. Un, deux, trois, c'est ça, hein. De la gauche vers la droite, on est d'accord. Ça me paraît logique. Deux, finalement, alors. Faut choisir, Limpot. Ou Kyomaru, comme tu veux. Donc, on part sur c'est compliqué, vous me faites confiance. C'est bien, c'est beau. Moi, j'aime bien la réponse du c'est compliqué. Inexcusable, ça... Un peu faux cul. Allez, on va faire du c'est compliqué. Y a pas de réponse facile, docteur. Si les augmentés sont coupables, c'est peut-être qu'ils se sentaient dos au mur. Ou peut-être que le terrorisme disparaîtrait si la classe dirigeante se rendait compte qu'elle en est souvent la source. Donc, enquêter sur la CDA, ça ne vous pose aucun dilemme éthique? Pour l'instant, je suis juste flic. Et les responsables de ce chaos, ce sont des criminels, augmentés ou non. Mon boulot, c'est d'arrêter le massacre. C'est ce que je voulais entendre. Adam, j'apprécie que vous ayez pris le temps de discuter avec moi. Merci. Est-ce que je pouvais vraiment refuser ? Non, en effet. Mais merci. Je vais prévenir le directeur que je vous autorise à aller sur le terrain. Ouais, bon, faudrait peut-être mieux que je me remette au travail, docteur. À la prochaine. J'ai l'impression que vous n'avez pas tous le même temps de latence. N'oubliez pas de temps en temps de recharger la page, parce que plus vous regardez un live, plus le temps de latence va être gros à cause des paquets envoyés. Enfin bref, je vais pas tout expliquer. Mais donc du coup, pensez de temps en temps à recharger la page pour avoir moins de temps de latence. Ça peut être pratique. J'ai un autre mec à aller parler pour finir cette mission, et je pense qu'on arrêtera la rediffusion ici. Parce que là, ça fait quand même un petit moment maintenant. Salut Smiley. Alors, ça roule? T'as récupéré le scan? Tiens, lève-la. Tu me sauves la vie, Adam. Sérieux, Miller l'avait mauvaise quand il est parti. Pas la peine de lui donner une nouvelle raison de me passer un savon. Il est parti? Où ça? Je sais pas et je lui ai pas posé la question. Alors, les flics t'ont pas trop donné de fil à retordre? Ils avaient pas l'air d'avoir envie de causer, j'ai pas insisté. Tu vois, sans mes conseils avisés, tu serais mort alors qu'il est, Adam. Un homme averti en vaut deux. Y'a quoi sur le scan? Ah, ça, j'en ai pas la moindre idée. Quoi? Je croyais que t'avais trouvé quelque chose et que c'était du lourd. J'ai jamais dit que je savais ce que c'était, Adam. J'ai dit que ça pourrait faire la lumière sur toute cette affaire. Je sais pas toi, mais moi je gobe pas la version « c'est un coup de la CDA ». Je crois que ce que me disent les preuves. Toutes les réponses sont sur ce DPN, de la composition chimique de l'explosif au tissu des vêtements des victimes. J'en suis certain. Ok, alors combien de temps pour en faire le tour? Oh, il va me falloir quelques heures pour l'éplucher, et je vois Sonia tout à l'heure pour m'excuser de tout ce bazar avec la police. Sans oublier aussi toutes les autres affaires que j'ai sur le feu. Je te ferai signe si... Enfin, quand je trouve quelque chose. On fait ça. Fais gaffe à toi. C'est vrai qu'au final, dans le dialogue d'avant, quand on a choisi la réponse 2, donc c'est compliqué, il a quand même donné un bout de la réponse 3 avec, hein, c'est vrai. Il a mélangé un peu la 2 et la 3, on est d'accord. Alors, point Praxis, nickel. Retrouvez Vega, clic en pipe, ça on le fera dans la prochaine vidéo, les amis. Donc on va arrêter là, la rediffusion. Merci beaucoup, on va passer en plein écran, ce que j'oublie toujours de le faire, voilà. Merci beaucoup de l'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous comme d'habitude. Portez-vous bien. Et puis, à la prochaine, tout simplement. Allez, bisous.